Le travail sur ordinateur. L'air conditionné. Et la moquette synthétique. C'est important le travail parce que on est quand même 8 heures par jour. Hein. Autant que dans la chambre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est le lieu de travail, essayer de comprendre ce qui se passe. Je crois que la première des choses, c'est d'aimer le travail qu'on fait. Oui, mais il y a des lieux quand même où on se dit ça. Ah oui. Bon, alors, sur ces questions-là, ça, c'est difficile. Vous répondez dans votre tête oui ou non. Hein? Et ensuite, vous calculez le nombre de réponses où vous êtes oui. D'accord. Le nombre de réponses positives. Alors, je le répète. Migraine, vous comptez sur vos doigts. Hein? Migraine fréquente. Asthme. Troubles circulatoires et rhumatisme. Si le tonus baisse avant 16 heures. On est les batteries à plat souvent. Le sommeil, insomnie, réveil la nuit, c'est un choc tiré hein, les réponses. Hein. Besoin de somnifères, le réveil patraque, du mal à se lever, besoin d'un démarreur, le moral, les idées noires. Besoin d'être à l'extérieur de chez soi, l'angoisse de l'avenir. Et pour ceux qui travaillent sur ordinateur, air conditionné, moquette synthétique. Parce que des fois, on peut être chargé, on peut être en décharge, mais ça ne vient pas forcément de la maison, ça vient peut-être du lieu de travail. Ou vraiment, il y a trop d'ordinateurs. Mais en main, c'est tout bon. Joker, oui. Alors, parfait. Le papier. En bas dans le tiroir. C'est non, bizarre. Dans le tiroir. C'est pas une seule, oui. Oui, moi je. J'ai le papier, ma secrétaire. Bah, tu as noté le nom. J'ai dit, eh ben, non, j'ai perdu le fil. Je suis pas normal, là. Et moi je sais pas fouiller. Véro. Voilà, c'est bon. Véro, je suis pas normal. T'es pas honnête. Non, j'ai perdu tout ça. Il est honnête, super mais il a fait comme moi, il a perdu les pays. J'en ai 6. T'en as 6. Il n'y a que le tout. Moi j'ai 15. Moi j'en ai 4. T'en as 4. Moi aussi 4. Oh pardon, excusez-moi. Mais 4 bien centrés au niveau du sommeil. 4 quoi? 4 plus ou 4 moins? 4 nuits. 4 au vue. Ah, c'est des oui qu'il faut qu'on dise. Oui, oui. Mais ça dépend les jours, t'as pas dit. Alors, vous, rassurez-vous, alors j'y vais, hein, moi je vous analyser après. Si vous avez de 26 à 30, oui. J'espère qu'il n'y en a pas. Hein? Votre environnement joue sans doute un rôle défavorable pour votre santé et votre sommeil. Oui, à ce stade-là, oui. Donc là, c'est vraiment la cata. De 16 à 25, votre environnement semble influencer. Ça semble influencer défavorablement votre santé, votre sommeil. Donc, à partir de 16, c'est la santé qui peut être en jeu, pas que le sommeil, d'accord? C'est vraiment dangereux. De 6 à 15, moi j'ai 6. Là, c'est qu'il y a des énergies qui influencent la qualité du sommeil, qui sont négatives. Donc il faut voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? De 0 à 5, l'environnement n'est pas particulièrement perturbé. Ah. Voilà. Donc à partir de 6 réponses. De 0 à 5? Ouais. Donc mais pas ça, particulièrement perturbé. Par contre, de 6 à 15, il faut savoir pourquoi le sommeil est perturbé. Au-delà de 15 réponses, vraiment, c'est vraiment une grosse atteinte et il faut faire attention à la santé, il faut vraiment en métier. Quoi. Par rapport à la maison, c'est ça. Oui, par rapport à la maison.
Moi, je crois pour savoir pourquoi j'ai le sommeil perturbé. C'est parce que je ne sais pas m'arrêter de lire. tant que les yeux ne se ferment pas, il faut que je lise. Mais une fois que tu dors, tu dois dormir. Oui, tu dois bien dormir. Oui, mais je me réveille. C'est ça qui ne va pas. Voilà. Moi aussi, je m'endors bien, mais 2-3 heures du matin, toutes les nuits, je suis réveillée. Voilà, moi aussi. À air fixe. Mais pas la qualité de ton son. Ouais, ça vient de la maison ou de moi? Oui, ça m'arrive, mais pour le temps... Ça vient pas de la maison. De quand, ma chère? Des fois, il m'arrive aussi de dormir parce que la nuit. Parce que même... Mais tu dors quand le train vient en marche ou... Il y a beaucoup de circonstances. Oui, d'accord, mais fais la chance de l'air. Je suis massacrée. Ah, mes mères, tout le monde. Non, il y a aussi des sommeils, où carrément on ne récupère pas. Il y a un souci. Quand on se réveille patraque, c'est que l'énergie qu'on croyait récupérer en dormant, elle est passée dans l'eau sous la maison. On s'est déchargé autant que ce qu'on a essayé de se charger. Moi, je penserais que vu l'endroit où ma maison est bâtie, je pense qu'il doit y avoir une faille, parce que c'est sur le pied de la colline de Notre-Dame de la Garde. Ouais. S'il n'y a pas de changement de terrain, c'est tout de la roche. Alors donc, la roche, il doit y avoir... C'est rare qu'il n'y ait pas une petite faille. Il faudra regarder. Mais le pire, c'est quand il y a un changement de terrain. Moi, j'ai jamais vu quelque chose. Une faille entre deux matières différentes. Ah, voilà, d'accord. Voilà, ça c'est encore pire. C'est rocheux. Là. Voilà, parce que bon, qu'il y ait une petite faille dans la roche, c'est pas important. C'est quand les matières sont différentes. Et je pourrais le détecter comment? Avec ça? Ouais. Mais dans ces cas-là, avant de déménager, on ne peut pas casser la maison. Non, on met son lit ailleurs. Parce que c'est pas une faille qui va nous faire déménager quand même. Il y a d'autres systèmes. Parce que ça, je connais le système du réseau Hartmann depuis très longtemps. Et j'avais mesuré un petit peu. Et c'est vrai que j'avais pris des points de repère et j'avais mis des pots de fleurs. Et bien, je voyais, d'ailleurs, c'est simple. Il y a des arbres plantés contre le mur. Et bien, quand il y a un arbre qui était sur le croisement, l'arbre, il n'a jamais grossi. Il a poussé, mais comme ça. C'est que le réseau Hartmann était pollué. Voilà, c'est ça. Il est pas, le réseau Hartmann n'est pas pollué en lui-même, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le pollue. D'accord ? C'est un champ magnétique terrestre normal, quoi. Mais à partir du moment où ça peut se passer... C'est bizarre, les autres, c'est qui est beau. Et les cyprès pareil. Il y avait un cyprès, deux cyprès qui étaient bien, et puis le troisième, il a poussé, il a grandi, mais c'est resté le bâton. C'est qu'il devait y avoir un champ magnétique collé au réseau Hartmann qui pompait toute l'énergie de la plante. Ah ouais. Ils les ont enlevés. Je ne sais pas si vous apercevez l'état de fatigue que vous êtes quand vous êtes dans les grandes surfaces. Oui. Ben voilà, l'âge est sûr que vous êtes pompé à fond. Je l'avais dit, mais je l'avais fait constater au propriétaire, parce que moi je ne suis pas propriétaire de la maison, mais au propriétaire, oui, parce que ça les concernait pour beaucoup de choses. Quand j'ai parlé du réseau Hartmann, ils m'ont regardé. Ouais, j'ai compris que j'étais la martienne qui va. J'ai arrêté, j'ai dit, mais il y a quelque chose au fond de la terre. Et quand il est venu le jardinier pour lever les souches des cyprès, je lui en ai parlé. Lui, il était au courant. Mm-hmm. Mais il leur a dit. Alors, bon, c'est vrai qu'il n'y a rien à y faire. Je ne sais pas, moi, ici, il y a dernièrement. Je suis allée à la FNAC, mais j'ai fait demi-tour. Un quart d'heure après, je suis ressortie. Je ne vais pas rester à la FNAC. Les plafonds bas, la moquette, tous ces éclairages, non. Alors qu'avant, je passais des heures. Je ne peux plus maintenant. Moi, j'ai jamais trouvé mon bonheur, là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des ambiances, des fois. Je trouve que la FNAC, ça vaut vide. Hein. Je vais à Virgin, je suis très bien dans Virgin. Tout à fait. Et je crois que ça vient des piliers de marbre qu'il y a. Parce que c'était l'ancienne banque italienne, ça. C'était tout... Et puis il y a des plafonds sont hauts. Et par contre, où je me sens bien, moi aussi, où il y a de bonnes énergies, c'est l'église des réformés. J'y suis rentrée qu'une fois. Elle est dirigée à l'Est. Hein. C'est une des rares dirigées à l'Est.
Là, on s'envole. Il y a des vortex, là, oui. Il y a les portes. Ouais. Vous avez dit, le monsieur. Les vortex, ils sont là. Et les nœuds telluriques, c'est quoi? C'est un relié. Le curé, il fait affluence, là. Hein? Il paraît qu'il fait une influence monstre, ce curé. Oui, en plus, il y a un curé rigolo. Oui. Ah, il faut aller le voir. C'est pas vrai. Ah, ouais, ça vaut le coup. Hein. Ah, ouais, ouais. Au début, je crois que c'était Star Academy. Il paraît qu'il c'est pas vrai. Il paraît qu'il remplit l'église. Ah, oui, il y a des gens assis par terre et tout. Oui, il remplit l'église. Mais vous avez intérêt à arriver tôt pour avoir une place assise. Hein. Oui, pour réformer. Ouais. Ah, oui, c'est. C'est la messe du dimanche ou c'est. À dimanche à 10h30. Ouais. À 10h30. Ouais. Il y a un monde de fous. C'est pas vrai. C'est vrai, ça. Il, ah oui, il fait un peu curé américain. Ouais, il a un truc, les gens se plaisent à l'écouter. Voilà. Bah, disons qu'il est moins rébarbatif. C'est un bon prêtre. Curé, quoi. C'est un bon prêtre. Il appelle ses ouailles. Ils ont même fait un article sur la province sur lui. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Ah, j'achète pas le journal. C'est pour ça que ça va. Bon, les nœuds telluriques, alors c'est quoi? Les nœuds telluriques, c'est les nœuds du resortman. Oui. Ah voilà. Et il paraît que quand les chats se mettent là-dessus, ah, c'est qu'il y en a un, ils le ressentent, eux, et alors, par contre, ça ne les pas. Alors, ce qui se passe, c'est que les chats sont chargés d'ions négatifs sur leur pelage. Et ils aiment se décharger. Ah. Donc, ils vont sur des endroits où la terre est chargée positivement pour se décharger parce qu'ils sont en surplus. Et par contre, si on y va, on n'est pas bien. Bah oui, tu te vides. Mais les chats en ont besoin. Ils en ont besoin. C'est sur leur pelage. Dans la maison. Et les chiens se coucheront, eux, à l'inverse, sur des endroits positifs. Dans la maison, il y a un puits. Bon, si on retire le côté affectif, la couette, faut laisser le chat rentrer dans une pièce neutre. Oui. Dans la maison, il y a un puits, à la cave. Et je suppose qu'il y a de l'eau dedans, de l'eau croupie, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter, déranger quelque chose? Là, il faut voir le puits, s'il y a une nappe phréatique dessous. Il faut voir la circonférence, il faut voir si toute la maison est sous l'eau, si dans la nappe phréatique il y a de l'eau ou pas. Voilà quoi. Moi, récemment, j'ai été au panier et j'ai testé la maison d'une amie. Et c'était assez curieux, c'était son salon, donc j'étais avec le rat de master. Et puis j'ai commencé à voir une nappe phréatique qui faisait le quart de sa pièce, quoi. Et l'appartement à côté était à son fils, donc écoute, j'ai permis-moi d'aller à l'appartement à côté, que je suis en train de redessiner la nappe phréatique, et donc ça faisait les deux appartements, quoi. Et elle était quand même au deuxième étage, quand même. On le ressent, hein, avec le ramasseur, il réagit, quoi. Et elle ne m'avait rien dit, elle me dit, écoute, tu es la seule à savoir qu'il y a un puits. C'était au couvent aux 30 rues Caisserie. Il y a un vieux puits, elle a lié depuis longtemps, il est bouché condamné. Mais c'est peut-être pour ça, parce que c'est le fait qu'il soit bouché, qu'il ne faut pas boucher le puits. Il est non, mais la nappe est liée de toute façon. Mais j'étais la seule à le savoir, il n'était pas visible, quoi, je veux dire. Mais je dis, là, il y a une nappe phréatique, il y a dû y avoir un puits avant et tout. Et donc, inconsciemment, c'était bien parce qu'elle avait mis sa banquette en dehors de la nappe. Donc des fois, je pense que les gens ont aussi un instinct pour ranger la maison sur des points positifs, quoi. L'intuition. Et si l'eau stagne ou si elle bouge, c'est une différence aussi? Si l'eau stagne, tu ne recevras pas, comme je disais tout à l'heure, l'eau stagne. La friction de l'eau. Tu as la cavité, tu as l'eau ici, ok. Les ions négatifs, ils vont passer autour de ta maison, ouais. Et ils ne vont pas passer à travers ta maison. D'accord. Que le but, c'est que les ions négatifs traversent ta maison. Donc, elle ne bouge pas, c'est pareil, alors. Si elle bouge, ça va non seulement, les ions négatifs ne vont pas rentrer, mais si elle bouge, puisque ça, c'est ça plus, le mouvement va te tirer le peu d'ions négatifs que tu as sur toi. Voilà. Comme l'histoire du pont. Mm-hmm. À la limite, il vaut mieux une eau stagnante qu'une eau circulante. Mm. Qu'est-ce que ça fait sur un pont? Ben, ce que je disais tout à l'heure. Il n'était pas là. Oui. Je peux effacer? Oui. Si on est sur un pont, l'eau. C'est normal, tu ne travailles plus depuis que je suis. Ah, moi je fais plus rien. Tu n'as pas le réveil. Même quand je travaillais, les copines me disaient : tu ne prends pas du tranquille pour moi. Non, on a une bulle énergétique que je vous ai mesurée tout à l'heure qui est chargée négativement. D'accord? Qui est vital. On est sur un pont, il y,
y a la rivière en dessous qui est chargée plus et qui va, par exemple, comme ça. Et eh ben le plus, le moins va être attiré par le plus et vous, tout, toute votre énergie va être pompée dans l'eau si vous êtes sur le pont. Donc à la limite, si vous êtes énervé, hyper tendu et tout, allez sur un pont, ça va vous calmer. D'accord ? Mais il ne faudrait pas y dormir parce que ça serait dangereux pour la santé. Sauf si le pont est en arc, là vous êtes protégé. D'accord ? Parce que en fait, ça redescend. Ça redescend. Et les gens qui dorment sur des maisons à pilotis avant ? Ben, vaut mieux un truc comme ça sous la maison, c'est très positif. Parce qu'il y a beaucoup de maisons sur pilotis. Oui, ben c'est pas très bon. Hein. S'il y a l'arc, il y a une rime. On pourrait passer qu'avec le petit coup, le dalle de béton, tout ça, ça fait quand même écras. Non, ça passe. Ça passe quand même à la preuve, c'est que les champs magnétiques que j'ai mesurés chez les voisins, c'était un mur mètre hein, quand même. Est-ce que les murs qu'ils faisaient avant, peut-être de pierre, ou ça c'était plus, plus efficace? Parce qu'avant, les Romains, ils faisaient des grosses pierres, des gros blocs. Oui, mais c'est pas pour ça que ça protégeait plus. Ah bien sûr. Que nous, c'est pas assez pour. Et le béton armé, alors, parce que ça, je crois qu'il y a une influence quand il y a une pierre grande. Oui, parce que c'est du fer. Voilà. Donc pas de béton, pas de métal. Ouais. Hein. Et les maisons en béton cellulaire? C'est pas mal. Ah. Ben alors les bio maintenant tout à moi c'est mieux. Encore mieux. Ah ben voilà. Oui. Ah oui. Parce que le béton cellulaire, on moi, quand critique, je vois on les critique le béton cellulaire. Cuisine moderne, mais je prends peur, je dis mais les gens qui ça va pas quoi. D'accord. Tout ce qui est inox, métallique, ça n'a pas d'âme, c'est froid. C'est et le verre. C'est naturel. Toutes ces tours en verre. Le verre, c'est naturel. Oui, mais ça dépend ce qu'il y a autour du verre. Ouais, quoi. Ouais, y a c'est pas tellement le verre. Hein. Non, c'est sûr. Ah, c'est les métal. Les trucs aluminium et tout. C'est bon, quoi. Mais il disait que la pyramide du Louvre, elle est nocive. Parce que c'est la pyramide. On s'en étonnerait pas. C'est une plante qui a autour du verre. Parce que la forme qu'elle a aussi. C'est la pointe. La pointe. Elle est pas et Saint Mitterrand le savait. C'est lui qui l'a fait. Ouais, mais ça, tant qu'on n'y dort pas. Hein. Non, mais je veux dire. C'est ceux qui travaillent en dessous. Dessous, il y a des gens qui travaillent malgré tout. Et oui. Parce que Mitterrand, c'était un adepte quand même de tout ce qui était occulte. Hein. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je veux savoir si quand on a des rhumatismes, justement, et que donc c'est souvent aux articulations et qu'il y a la magnétite, c'est ça? Oui. Est-ce que ça a un rapport aussi avec certaines maisons qui sont plus ou moins humides ou qui a des problèmes comme ça, que ça peut interagir sur la magnétisme et faire les... Bien sûr, puisque là, le magnétisme, c'est carrément les coudes, les poignets, oui, les genoux, les cervicales et tout ça. Donc, tout à l'heure, là, tu as parlé des formes... Des ondes de forme, des ondes de forme. Oui. Mais il y a quand même des formes qui sont positives aussi. Comme le décagone, comme oui. Où on peut mettre oui les ondes des formes oui. Voilà où on peut mettre parce qu'on mange énormément pollué bon et bien si on fabrique un décagone et ça j'ai le décagone à la maison j'en ai fait une photocopie pour qu'elle soit plus grande que l'assiette et on met l'assiette sur le décagone peut-être 2-3 minutes avant de consommer. Et bien, ça enlève les mauvaises ondes. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça enlève les pesticides et tout, alors Je sais pas les pesticides, mais... Qu'est-ce que tu appelles mauvaise onde dans une maison tout ce qui est vibre, tout ce qui est pollué. Voilà. La pollution, peut-être les pesticides... Ça redonne de l'énergie plutôt dans l'aliment. Oui, que ça te redonne l'énergie. Mais bon sang, s'il y a plein de nitrate dans l'aliment, je crois que tu vas le retrouver quand même. Hein. Parce qu'on fait ça avec l'eau aussi, de l'agiter, ça la réveille, je sais pas, il y a un truc d'agiter de l'eau, ça la recharge, ça la réveille, je crois, il y a un système comme ça. Disons que l'agiter, l'eau, c'est quand tu l'as fait bouillir. Avant, à l'époque, les jeunes, il n'y avait pas les filtres, tout ça, ils étaient obligés de faire bouillir l'eau pour la nettoyer. Oui. Et l'eau, elle perdait son oxygène. Et tu l'as remué, on était obligé pour que
l'oxygène régénère l'eau, pour que l'eau retrouve son oxygène. Voilà, c'est pour ça. Ça, je l'ai appris. Il faut quand même se méfier au niveau de tous les gris-gris qui existent, parce qu'il y a à boire et à manger, et il y a plein d'arnaques. Mais là, ça coûtait rien, le décagone. Oui. Mais je pense que je vais essayer de refaire la barre Atlante, qui est assez positive, énergisante dans la maison, quoi. J'ai les mesures à la maison, je ne sais pas encore comment je vais le faire, si je vais le faire en cyporex ou en bois, mais je crois que moi-même, personnellement, je vais essayer de me la faire. Déjà, essayer sur le papier, ça sera plus facile. Après, mais en fait, j'ai le dessin industriel. Voilà. Tu mets ça où, dans la maison pour... Dans la maison, orientée nord-sud. Il y en a qui la mettent au plafond, pendu verticalement, bon, ben, ça dépend. C'est ce qu'il y a sur les bagues. Ben, oui, mais ça, c'est de la bêtise. Hein. Ouais. Ça. Parce que quand vous voyez vraiment le schéma de la barre Atlante, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'elle est sur les bagues. Ça, je n'ai jamais vu. Ça. Et là, l'onde des formes est vraiment intéressante. Même sur Internet, j'ai trouvé des copies de barre Atlante, mais c'est des fausses barre Atlante. C'est comme le bâton d'énergie, c'est pareil? Ben, je sais pas comment il est le bâton d'énergie. Fais-moi le panatif, c'est un fer avec deux cristaux au bout, de chaque côté. Le triangle? Non, c'est des cristaux, un biseau. Ah, je connais pas. Ça s'appelle des barres d'énergie ou de l'énergie, ça s'appelle ça. Ah ouais, je sais ce que tu veux. Un bâton d'énergie. Oui. Marc, tu parles de l'onde des formes, la forme pointue, l'énergie s'en va. Les biseaux. Donc à partir de... Par exemple, j'ai un cristal de roche bipolaire. Il a énormément d'énergie parce qu'il y a deux pointes. Et c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle parle, c'est en ça. En cristal de roche. C'est je le soigne avec. Oui, voilà, c'est ça. C'est un instrument de soin. De soin. C'est grand. Et c'est le. Moi, c'était un bambou comme ça, les deux cristaux au bout. Mais enfin, ça, c'était mon dessin qu'il avait. Moi, j'avais un pendentif. Je mettais, mais il me semble qu'il y avait une influence. Je n'ai plus. Mais on le fait aussi en cuivre. Hein, certains. Il y en a le tube en cuivre avec j'en avais fabriqué une. Je me rappelle, j'avais fabriqué une. Et ces bracelets en cuivre, alors en définitive, c'est quoi? Alors, c'est pour les champs magnétiques, hein, pour les gens qui ont des douleurs. Oui. Ouais. Mais enfin, j'en ai fabriqué, puis je me suis rappelé. Il y en a, ça fait, il y en a, ça fait pas. À discuter. C'était une idée, c'était pas bon. Alors, qui c'est qui veut essayer un instrument là? Moi. Qu'est-ce que tu veux essayer? Une porte. Moi je vais essayer ça. Ouais, ça ou l'autre. Voilà. Je vais chercher quoi là? Cherche l'eau. Ah ben tu vas tester le champ aurique de quelqu'un. Ouais, c'est un homme.